peu près vers 18h, je me rappelle, oui, la lumière, tout s'est éteint. On est à peu près, hein. La lumière s'est éteinte. Et le bateau a commencé à ralentir. Et là, ils nous ont dit qu'il y avait un problème avec l'électricité. Et après, on a commencé à voir un hélicoptère qui a tourné autour. Et c'est là qu'ils nous ont dit qu'il y a quelqu'un qui va se faire électroyer. Donc, beaucoup de personnes, comme moi, je pensais que c'était une personne qui avait eu un malaise dans le bateau et qu'il venait, comment on appelle ça en français, sauver, l'électroyer. Et en fait, on a appris après que c'était un mécanicien qui s'est fait brûler dans la salle des machines. D'accord. Il n'y a pas eu de panique? Vous avez été pris en charge correctement? Oui, c'était très très bien. C'était très très bien. Ça a été très bien. Bon, il y a eu des petits moments un peu longs. Donc tout ça s'est passé. Après, on attendait. Le bateau, il a commencé à repartir très très lentement. Bon, c'était une mer d'huile, donc ça, là, il est parti très lentement. Je me dis, il est bizarre. Mais il repart. Bon, c'est bon. Il chauffe, peut-être qu'il va partir plus vite. Et après, ils ont dit, bon, vu les problèmes, on vous offre un repas gratuit à la cafétéria. Et vous avez passé la nuit sur le bateau aussi, vous avez dormi là, sur le bateau. Hein. Après, ouais, on est arrivé, on a mangé à la cafétéria, et c'est là que quand on était dans la queue, la cafétéria, qu'ils ont dit, maintenant, il y a des problèmes vraiment techniques. La personne était électroyée, il y a des problèmes techniques, on vous ramène sur Cherbourg. Et après, vous verrez le lendemain matin comment que ça se passe. Donc, tout le monde se posait des questions. Et on a dormi à Cherbourg dans le bateau. D'accord. Et vous êtes revenu comment ce matin, en bus ou en voiture? Bus. À Ouistreham. Nous, les piétons, on était en bus et les autres personnes arrivaient en voiture. Je sais pas comment que ça se passe pour eux. Ils vont se faire dédommager, je sais pas. Nous, il y a un bus qui nous attendait. D'accord. Et là, vous repartez vers quelle heure du coup aujourd'hui? On reprend le même. On fait la seconde, on essaie la deuxième fois. On va voir si ça marche. On reprend le bateau, la même chose. 16h30 pour arriver à 21h15 à Portsmouth. Donc si celui-là casse, par contre, là, ça va être plus compliqué. Mais c'est la même chose en fait, c'est le même. Thank you.